La présence de Maria Butyrskaya sur le podium olympique ferait vraiment plaisir à tous ceux qui aiment la grâce dans le patinage, alors que se présentent ceux, alors en revanche là, ceux que l'on peut vraiment considérer comme les légitimes favoris de ces fameux jeux de Salt Lake, mais vous le disiez, c'est une compétition à part. En tout cas, ils ont bel et bien remporté ce 15e trophée Lalique. Elena Bereznaya, Anton Sikarulidze, suivez bien leur programme de gala car c'est vraiment plein de trouvailles. Charlie Chaplin serait fier de voir son héritage mis en valeur, mis en musique de cette façon. Oui, il n'y a aucun doute. Et je pense qu'il serait effectivement d'abord très surpris, parce que je pense que quand il a composé lui-même cette musique, il ne s'imaginait pas que ce soit une musique utilisée pour les Jeux Olympiques par des patineurs aussi talentueux. Il serait effectivement très fier. Superbe programme d'Elena Bereznaya, Anton Sikarulidze, vraiment ce gala de ce 15e trophée Lalique. Annick atteint vraiment une dimension objectivement jamais codée. Il y a même un spectateur tout en rouge là qui... on ne voit que lui. Il n'est pas le dernier à applaudir. Vraiment une dimension jamais connue jusqu'ici. Il y a véritablement une magie ce soir sur la glace de Paris-Bercy.
Il faut dire que les tout meilleurs sont là. Et ce n'est pas fini, il y en a encore deux à venir. Et là, nous passons chez les champions du monde. Anton et Elena sont champions du monde et vice-champions du monde et vice-champions olympiques également. Eux, cher Annie, ils vont y être sur le podium à Salt Lake. Ne me dites pas, vous allez nous assassiner. Ils ont, à la surprise générale, été battus tout de même au dernier championnat du monde. Ils ne se sont pas présentés à une Coupe du Monde récemment. Alors, Paul Perret, notre coordinateur et producteur, ne s'en remettrait pas. S'il n'était pas sur le podium... Et nous aurions du mal à tous. Ah oui, oui. Nous serions tous déçus. Mais c'est le sport et il faudra bien qu'ils fassent des programmes sans faute. Les Canadiens, eux aussi, sont fantastiques et ils méritaient ce titre de champion du monde la saison passée. Il faudra qu'Elena et Anton soient parfaits. On sait qu'Elena, dont la qualité première est cette délicatesse sur la glace, cette sensibilité, cette fragilité qui émeut le monde entier, eh bien, cette qualité a aussi un inconvénient. Elle est fragile, elle est émotive, parfois faisant des erreurs très surprenantes. Eh bien, il faudra qu'il soit parfait. Et c'est le sport, c'est normal. Mais c'est vrai que l'on a très envie qu'il soit champion olympique, car ils sont magiques, ils ont ces petits charmes que tout le monde n'a pas. On leur souhaite bonne chance de toute façon. Ils sont de toute façon déjà vice-champion olympique, vous l'avez dit, ils ont une expérience olympique. Ils sont depuis 4 ans sur la plus belle marche, voire...